nous accueillir à l'occasion de cette deuxième édition de l'activité Place aux jeunes. Jean Monnet disait qu'il n'y a de richesse que d'or. C'est une vérité. Les nations viennent et disparaissent tant et aussi longtemps que les hommes et les femmes ne résistent pas. Et Hicham Maraud a dit aussi que la jeunesse est une prison irrésistible, mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons en extraire toute sa valeur. Ma présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la jeunesse, une jeunesse représentée. Bien. Mes chers étudiants, je me rappelle aussi que je suis professeur d'université. 2008, et à l'ENA aussi, qui avait un programme je connais la valeur de l'étudiant pour une nation. Et beaucoup de nations ont eu des moments difficiles et se sont relevées grâce à la force que vous représentez. Ce dialogue organisé pour la première fois en décembre, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, a connu un grand succès. Je n'en ai jamais entendu parler. Et ce, grâce à votre présence et vos réflexions, de même que vos pertinentes recommandations. Lors de la première édition, vous avez choisi de débattre droit sujet, droit à l'éducation, droit à la paix et déplacés internes, technologie et droits humains. Je dois vous dire que droit à la paix et déplacés internes a encore un niveau très important dans notre pays. Et des discussions intéressantes ont eu lieu, des recommandations ont été formulées pour renforcer le droit à l'éducation, de la protection des déplacés, de l'utilisation de la technologie dans la défense des droits humains. Et quand on parle de technologie, si aujourd'hui on peut avoir un impact sur les cas de violation, c'est parce que la technologie de communication donne de l'immédiateté des actions. On ne peut pas continuer à violer les droits de tout le monde, mais y compris des enfants, par exemple, parce qu'avec des photos et des vidéos instantanément publiées, on peut avoir un impact direct sur les décideurs. La maturité et le sens de responsabilité dégagée des sujets débattus ont émerveillé tout le monde. Vous avez prouvé que vous êtes capable d'apporter votre contribution à la reconstruction de cette société haïtienne qui, malheureusement, de sombres heures de vie. On a vraiment besoin de vous, chers étudiants, chers jeunes. C'est pourquoi, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notre partenaire infaillible en droits de l'homme, nous avons estimé qu'il n'était plus que nécessaire de renouveler l'expérience en lançant cette deuxième édition. Vous avez choisi de discuter entre autres, sur trois nouveaux thèmes d'actualité. Il s'agit des droits des enfants face à la crise, de la sécurité alimentaire dans la crise actuelle et du droit à un environnement sain en Haïti. Et je rappelle qu'actuellement, il y a le sommet international sur la biodiversité. Et je rappelle également que notre pays était sur une liste des 10 pays les plus vulnérables en matière d'environnement. Voilà pourquoi cet exercice que vous allez faire sur la tête attire l'attention politique du gouvernement. Parce que le domaine d'Haïti, l'immédiat d'Haïti, le domaine, va être discuté ici, dans cette salle. Cette activité est
Il place le jeune comme son titre, le dit, vous donne, vous jeune, la latitude, la capacité, la possibilité de nous parler, de nous discuter entre nous. Pas pour nous d'accord, et nous pas pour nous d'accord sur tout le monde, mais nous d'accord pour nous discuter de tout le monde. Et chaque monde a fini avec idéaux, arguments, il y a plein d'exemples, mais vous pensez que le débat, ça, comme dit l'autre, du choc des idées, j'allais la lumière, on va même penser que, à partir de l'échange, ça, on n'a pas fait le paquet de l'idée et de la capacité de changer les choses, à dégager. Il m'a très attentif, maintenant, pour gagner, pour rendre les gens sérieux, d'aller nous mettre des déconseillés, en humain, et la garantie, et c'est ça qu'on va préparer à premier ministre de l'organisme qui est sorti la matinée, mais on l'a dit à l'époque, on va le ça. Et activité ça, il est intéressé pour être il est intéressé. Tout le monde qui l'a marqué présent sur la, notamment le ministre de l'Université, qui c'est protecteur du citoyen, tout l'homme est responsable académique là, mais il est ici pays. C'est ça qui fait que non seulement on fait le débat, on connaît que son débat de qualité, il faut que la population connaît que derrière un groupe de jeunes étudiants qui chitent à discuter dans le pays et ceci pour l'avenir. Certes, notre pays traverse une période difficile. La question sécuritaire est une question d'urgence nationale. Et nous sommes conscients que, comme on sait, il y a une pile d'impatience qui est discutée dans sa monnaie de sa famille. Il faut nous prouver que, et ce n'est pas en question que tout le monde a résolu. De chaque haïtien de l'humain n'a pas de place pour capable de résoudre ça. Cependant, ce n'est pas seulement question sécurité. Nous-mêmes, jeunes, étudiants, débat qu'on a fait, l'a permis de nous donner des idées. Parce que si nous, aujourd'hui, blanc, demain, étudiants, aujourd'hui, là, c'est ministre, premier ministre, sénateur, député de l'UNECLE. C'est ça que ça ne peut pas être sur l'espace de décision. On a vraiment discuté avec vous. On a entendu nous sur ça, d'accord. Et entendu nous sur ça, pas d'accord. C'est là et là même. Je vous fais des exercices. Merci beaucoup.